Today we are in Fleurier in the Val de Travers in the middle of the Jura Mountain, home of Parmigiani Fleurier, and today we're going to show you something rather special. Cars, you have sports cars, you have supercars, and then you have supercars. And the Bugatti Chiron that was just presented only a few days ago at the Geneva Motor Show is obviously part of that category. More than 1500 horsepower in this incredible car. This is a piece of art. Let's find out with Michel Parmigiani what it inspires him. Au travers d'un objet tel que celui-là, qui est un aboutissement mécanique, un aboutissement esthétique, on fait perdurer l'art d'un mécanicien qui était Ettore Bugatti. C'est qu'il a réussi, lui, à rendre une mécanique belle et esthétique. La super performance est poussée à l'extrême l'artisanat des ingénieurs, l'artisanat aussi des mécaniciens, parce que les mécaniciens qui finissent, les carrossiers qui travaillent. Chaque fois qu'on démarre dans un projet fou comme ça, il y a quelque part un phénomène assez extraordinaire, c'est que ça tire tout, ça amène tout, c'est quelque chose de très moteur. Parmigiani Fleurier and Bugatti have enjoyed a 10-year partnership and it's been marked by some quite incredible timepieces. Comme on l'a toujours fait avec les montres spéciales de la famille Bugatti, comme le type 370 et la Super Sport, qui est le deuxième modèle. Le troisième modèle, prend quelque part un peu la quintessence des deux premières. So the next and final step for us will be to test drive both the car and the watch, but that will only be in early 2017 when Parmigiani will introduce their new version of their special Bugatti watch. For the time being, let's just dream a little bit.